Bonjour les gens, aujourd'hui Crazy Cups, les astuces du rangement. Si vous en avez marre qu'une fois rangée, votre boîte ne ferme pas correctement et devienne comme ça, je vous donne la solution. Déjà, on commence par mettre les cartes dans cette partie-là. On ajoute la petite sonnette. Et là, bien sûr, il n'y a aucun problème pour ranger. Si on fait l'essai, on voit bien que là, il n'y a pas de souci. Le souci vient des gobelets. Alors déjà, je vous propose de les mettre par joueur, c'est-à-dire un de chaque couleur. Déjà, on a tendance à ne pas les mettre dans ce sens-là et les mettre dans l'autre. Et là, c'est là que ça commence à devenir plus compliqué, puisqu'on voit bien que le quatrième dépasse. Alors, vous pouvez essayer plein de méthodes différentes. La solution, c'est de les mettre dans l'autre sens. Mais ça ne résout pas tout. Cette partie-là étant en carton. Pas de thermoformage, donc c'est du carton. On peut insérer les gobelets dans le sens horizontal. Bien sûr, vous les mettez en quinconce pour prendre moins de place. Et là, malheureusement, le dernier, on a beau le mettre dans n'importe quel sens, ça dépasse. La solution, c'est de soulever délicatement celui-là, d'enfoncer un peu l'autre. Et une fois que vous avez fait ça, ferme. Plus de problème. Je vous remontre. Vous mettez les trois premières séries de gobelets comme ça, la quatrième en quinconce dans ce sens-là, et une fois qu'elle est là, vous prenez celle-ci, la deuxième, vous la levez délicatement, ça fait tomber la première, donc celle-ci. Normalement, si vous appuyez sur les deux, on arrive à l'épaisseur parfaite. Comme ça, vous pourrez ranger votre boîte sans problème. Voilà, c'était Crazy Cups, les astuces de rangement.